Merci. Les gens pensaient qu'ils vont voir gâteau au rideau. C'est faux, c'est mal de connaître. Ça a pris une fortune. Hein. Ça se comprend. Mesdames et messieurs, je suis très content d'être ici ce soir. C'est pourquoi je suis calme comme ça, je dégage cette assurance parce que c'est beau ce que vous faites. Ce spectacle a été très difficile à organiser. On a tenu bon. Et on devait être sur le spectacle le 2 janvier passé. J'ai annulé les deux spectacles. Et les gens qui ont pris leur ticket un peu, ils ont commencé par avoir peur. Alors comment ils m'ont organisé? J'ai dit non, c'est l'argent, c'est ton argent du ticket dont tu parles. Hein? Calme-toi. Je vous jure, on va finir ce temps. La nôtre là, qui va intégrer tous les spectacles de l'île peut sortir le lundi. Mais aujourd'hui, jamais. Jamais sinon c'est payant, c'est même qui va rentrer dans le panorama. Non, moi je suis un digne fils d'amoureux, je vous jure. Et j'en suis fier d'ailleurs pour dire très 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 bien. J'ai mes popos, hein, ceux avec qui je faisais du théâtre quand j'avais 12 ans. Et moi, il y a le choix. Quel bonheur. À quoi il te dit. Maintenant, je vais vous inviter le premier personnage, le premier que j'ai invité sur cette carte. On va commencer. D'habitude, les gens font comment? Ils commencent par le spectacle moins bon, Y, non. Moi, je ne vais pas faire ça. Je vais commencer directement par un spectacle géant. C'est pourquoi j'ai invité un géant sur scène. Il fait 2 mètres de taille, 17 kilos. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'ai pas ses naissances. Hein, ses naissances. Je vous prie, mesdames et messieurs, d'applaudir très très fort pour recevoir Trompette Elisa. Ça va finir, va donc pas le courant. Trompette Elisa, que je vous prie de recevoir. Chers frères et sœurs en Dieu, bonsoir. Il y a des gens qui n'ont pas répondu. Ceux qu'on voit quand vous ne voulez pas laisser. On vous salue, vous répondez quand vous voulez. C'est à cause de vos gens de comportement là qu'on a raté Jésus. Hein. Vous savez ça? Je me suis toujours dit que si Joseph et Marie étaient des Béninois, Jésus n'allait pas naître. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Oui, Joseph devait épouser Marie vierge. Et un jour, Marie vient lui dire qu'elle était enceinte sous la sainte de l'Esprit Saint. Où, pourquoi, quand, dans quel village? Ici, au Bénin? Ça peut se passer? Imaginez, madame et monsieur, imaginez que Joseph et Marie étaient des Béninois. Et un soir, pendant que Joseph était devant son plat de légumes, Marie vient lui dire: chérie, je suis enceinte sous la sainte de l'Esprit Saint. La réaction de Joseph béninois. Non, attends, bon maintenant. Sous l'action de l'Esprit Saint. Eh ouais, je connais donc. Marie Bénoise. Mais chérie, je suis sérieuse. C'est avant-hier que l'ange Gabriel est venu me voir. Tu le connais, non?
Il est venu me voir, m'a dit que je serai enceinte sous la suite de l'Esprit Saint. Là maintenant, je sens vraiment que je suis enceinte. Mais je te parle, tu ne prends pas ça au sérieux. Regardez, assois-toi, m'a envoyé. Joseph Bénimois. Ah oui, non, vraiment. À quoi nos glaces caca avec Tita, même. Comment vous allez? Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Je m'appelle Khadija et contrairement à certains, moi j'adore passer mes journées à des endroits calmes, tranquilles, agréables quoi, hein? C'est-à-dire les toilettes à dado. Quand je dis que j'adore les toilettes, c'est quand elles sont propres, d'accord? Et que la chasse d'eau fonctionne surtout, c'est important. Et donc, quand ces conditions-là sont réunies, je m'amuse à imaginer les grandes personnalités de ce monde aux toilettes. J'ai une fois imaginé le pape aux toilettes. Oui, je sais, je ne suis pas normal. Imaginons un instant, le représentant de Dieu. Le pape, il entre aux toilettes, en connexion avec l'Esprit Saint. Alléluia. Je voyage de mon métier. La dernière fois, j'étais à Paris, en France. Tu connais bien Paris? Bien, merci, je suis le seul. Alors, à Paris, moi, ce que j'ai aimé, c'est leur, comment on appelle ça, leur statuette, là, comment on appelle ça? Statue de la liberté, là, voilà. Bon, voilà. Avant de commencer, j'ai demandé qui connaît Paris, personne n'a répondu. Vous pas moi, il y a dit quelque chose, vous allez dire que vous ne pouvez pas mieux. Voilà. Le jour où vous allez partir, la fête, vous devez tout le faire envoyer. Moi, j'ai voulu une statue de la liberté. Voilà. Donc, je suis tombé sur un embouteillage. Ce que j'ai d'embouteillage, ça peut prendre ici, Cotonou, jusqu'à Cotonou. Au nom de Dieu. C'est là que j'ai compris que, ouais, blancs, ils sont forts. Même dans l'embouteillage, les gens nous dépassent. Et puis, c'est le jeune embouteillage, lui, rien ne peut bouger. L'homme, voiture, bateau, avion, même les oiseaux. Bon, c'est moi qui étais là-bas. J'ai vu. Donc, un moment donné, il dit, ah, c'est quel embouteillage ça là? Donc, je descends, je dis, je vais aller voir ce qui se passe devant. J'arrive, c'est Anne qui a bloqué la route. Anne, au nom de Dieu. Moi, mes têtes courageux. Ils ont tout fait, Anne a dit, ne bouge pas. Ils ont envoyé armée de terre, l'air, ciel, l'eau, Anne a dit, ne bouge pas. Vous savez, je viens du Burkina. Et les âmes, ça nous connaît. Donc, quand j'ai vu la situation, tout le monde m'a fait. Et elle m'a dit, non, ça c'est un petit problème, il y a des gens. Donc il m'approche, il a mis deux minutes dans son réveil. Il n'est pas fini, Anne a bougé. Vous connaissez les Français, de toute façon, ils sont curieux. Curiosité de ceux-là. Donc il vient, il me demande, monsieur Momo, qu'est-ce que vous avez dit à l'âme pour que l'âme puisse bouger? Il dit, à l'âme, si tu ne bouges pas, on t'en va en Afrique. Non. Et tu penses que c'est une erreur? C'est ce que je me suis dit, parce que tu n'oublies pas comme ça. Non. C'est pas une erreur, j'ai pas voulu t'inviter. Mais tu sais, je suis venu quand même. Parce que tu sais, dans mon village, il y a un adage qui dit au moins, mais en vous, il n'y a jamais rien maison. Et ça veut dire? Ça veut rien dire. En fait, tu sais, c'est tout. Elle dit que tu ne peux pas avoir ton anniversaire et je ne peux ne pas venir. Regarde. Je ne peux ne pas venir, ça vient tout seul. Vous voyez les raisons pour lesquelles je ne t'ai pas invité. Allez, quand ce soir, tu es beau. Ah, si c'est ça, il faut venir. Allez, j'ai un peu de déplacement pour te dire que tu es beau. Ah, si c'est ça, tu peux rester. Tu es sublime. Merci. Et tu es très con. Tu sais. Allez, quand je vais venir. Attends. Bon, pause. Passez-moi. Pause. Tu viens de m'insulter. Je ne t'ai pas insulté. D'accord. Mais tu viens de dire que je suis con. Je n'ai pas dit que tu es con. Et tu as dit quoi? J'ai dit que tu es très con, c'est différent. En fait, tu vois, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Et les gens sont nombreux. Bonsoir, comment vous allez? Tu vois, allez, tu sens que j'ai des femmes. Bonsoir, comment vous allez? Maintenant, ton anniversaire est terminé, c'est le mien qui commence. Sinon, hey, passez-vous. Tu es bien habillé aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup. Allez, tu crois que tu étais le seul?
de promouvoir ce show-là, tu vois. Promouvoir ce show, ça vient tout seul. Allez-vous, les gens me disent non, que c'est coûteux. 5 000, 10 000, que c'est trop. Je veux leur dire ce soir, c'est votre argent qui est là. Non, pas les autres. Tu as trop bien sapé, je te jure. Merci. Tu as. Tu as essayé de t'habiller comme moi. On peut dire ça là, parce que moi, je sais que j'ai failli. Maintenant, je veux partir. Parce que nous tombons, pas les gars, on va parler encore. Est là. Non, les mamans de Bénin, pourquoi vous ne pouvez pas faire comme les mamans de Paris? Non, regardez, en Paris, en France, ton enfant s'appelle Apollinaire, il doit aller à l'école à 8h, c'est là que tu vois son maman vient, 7h30. Apollinaire, les 7h30, va falloir que tu te lèves pour aller à l'école, tu seras en retard. Apollinaire, allez, brouille-toi, ou ça va, sous la nuit. Ça, c'est 16h. C'est où? Tu dois aller à l'école à 8h, c'est à 5h ton maman vient. C'est là que tu entends. À Paul, non, tu as tombé, on a foutu, donc on a pas le cas. Je m'en parle, on est dans une terre. Mais ça n'a pas de peur là. J'ai ri à gorge déployée. J'ai cru que j'étais la seule ici. J'étais satisfaite entièrement. Je peux mourir parce qu'il y a la relève qui est déjà assurée, bien assurée même. Et nous pouvons faire au Bénin aussi ce qui se passe dans les autres pays. Nous pouvons le faire. Et on se prépare à le faire.